Angers à 220 000, à 220 000, Angers 220, 250, 250 000, Pierrick, à 250 000, Pierrick. Et on a à peine commencé le cas du 160 qu'on en est déjà à 200-300 000. Pourquoi, Loïc ? 300 000 pour Wild Wine présenté par le Hara des Capucines, une fille d'Ainy Lancer qui courait sous la casaque de Monsieur John Magner, le big boss de Cool Mustard. Et Wild Wine est formidablement bien né. C'est une fille de Woman Secret, elle-même par Sadler's Wells et Monet Vassia. Donc c'est une sœur de Ron Plastinskin, gagnante des Moigler et du Marcel Boussac. Wild Wine a elle-même gagné les studs, s'est placée de groupe et a été saillie pour la première fois cette année par le talent magique, le mot magique, Galileo. Exactement. 500 000. Alors avant de partir pour de nouvelles rencontres, je vais vous signaler qui était l'acheteur du 157 de Gold Round, la sœur de Goldikova. Alors, le monsieur, pas du tout compliqué. Le monsieur s'appelle Alex Solis, qui a signé. Alex Solis ? Il y a un crack jockey américain qui s'appelle Alex Solis. On va peut-être regarder la fin de cette enchère, Loïc. La fin de cette enchère. Oui, parce que là, on en est à 600 000. On va y revenir tout à l'heure, alors. 8e top price de la vente. Et c'est pas fini. On rappelle que le top price de la vente est de 850 000. Et là, nous en sommes à... Mais pour vous mettre l'eau à la bouche, on va bien parler pourquoi des États-Unis tout à l'heure. 650 000, parce que c'est une jument pleine de Galileo. Et c'est très compliqué d'avoir une jument pleine de Galileo. J'en ai jamais vu une passer sur le ring. Parce que les crédits de Galileo sont distribués au compte-goutte par le clan Coolmore. Oula. Et on peut penser qu'elle appartient toujours au clan Coolmore. Bah, elle courait sous leur casaque. Voilà, elle courait sous leur casaque, comme on voit. Elle courait sous la casaque de John McNair. Et elle est pleine de Galileo. 750 000, nous sommes maintenant à 750, 800, à 800 000. 800, est-ce que ça va être le top price ? L'enchère à 800 000, à 800 000. Oui, dis-le, oui, bien sûr, c'était David Bowie, évidemment. 800 000, nous sommes 850. Ouais, bref. À 850 000, l'enchère à 850, à droite, 850, ça y est, le top price est atteint et dépassé désormais à cet instant, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, une jument pleine de Galileo. Réel. À 900 000, est-ce qu'on va atteindre le million d'euros ? On va essayer de savoir, bien sûr, qui achète. Alors, je vais plus vite que la musique, le 160 bis. Ce sera du lourd. Attendons. D'abord, 950 000. Exactement. Est-ce qu'on va attendre? Atteindre 1 million. À 975 000. À 975 000. 975 000. 975. À 975 ici. À 975 à ma gauche. À 975 plus là. 1 million. Ça y est, c'est fait. À 1 million. De million d'euros. Votre enchère le à 1 silence. Million. À 1 million d'euros, nous sommes à droite. L'enchère à 1 million. À 1 million. 1 million 50, voulez-vous ? À 1 million. À 1 million, nous sommes la famille de Miesque. Droite contre gauche. Couloir de droite contre couloir de gauche. J'ai maintenant 1 million. Famille de Mions. Pleine de Galileo, gagnante de l'histoire. 1 million 50 à 1 million. Daniel Dancer, la mère par Sadow. La grand-mère par Mr. Monster. Tout ce qu'on peut rêver de mieux dans la vie. Enfin, dans la vie équine, en tout cas. 1 million 25 000 euros. 1 million 25 000 à gauche l'enchère. Pas plus là, à 1 million 25 000, à 1 million 25 000 on my left hand side, à 1 million 25 000, pleine de Galileo, proche famille de Miesque, placée de la poule d'essai des pouliches, à 1 million 25 000 last time, à 1 million 25 000 last chance, à 1 million 25 000, 1 million 50, à 1 million 50 000. Dominique Boula a demandé quelques secondes. Attendez. Un peu de réflexion. À 1 million 50 000 last quoi. Et 1 million 50 000. Et je crois que l'enchère est 1 million 75 000. Alors un combat. 75 000. À 1 million 75 000 à gauche. À 1 million 75 000 against you, sir. À 1 million 75 000 plein de Galileo. 1 million 100. À 1 million 100. C'est parti. J'en ai sauté sur mon siège. 1 million 100 000. 1 million 100 000 pour Wild Wind. 1 million 100 000 against you, sir, again. À 1 million 100 000 in fall to Galileo. 1 million 125. L'adversaire a rendu les armes ? Pas encore, non, il a surenchéri. 1 million 125. Oula, 1 million 125.
Je vois pas, tu vois pas très bien qui c'est. Il y a quelqu'un avec le béret, casquette, au téléphone, un béret vert. Oui, c'est pas un militaire, t'as le bord de miel. Merci de votre aide. À 1 125 000. Nicolas de Madame. Bien vu. À 1 125 000. Pourquoi pas. Un bon service. Early. Thierry Deleg. Thierry Deleg. In full to Galileo. Attention. À 1 125 000. Last time. À 1 125 000. Mohamed. Last call. Altani. À 1 125 000. Thank you, sir. 1 150 000. Incroyable combat. On peut encore aller très très loin comme ça. Alors, Eric Moyo se tourne de l'autre côté. C'est un combat de boxe. 1 150 000. C'est un combat de titan. 1 150 000. Nice young mare. Group one place in full to Galileo. 1 175 000. Une enchère, son adversaire. 1 175 000. Merci. À 1 175 000, je vous dois du temps aussi. À 1 175 000. Alors, un tarif comme ça, c'est excessivement. Je veux dire, on avait 1 700 000 pour la mère de Monde de Chat, mais bon, c'est pour des poulinières. 75 000. Ah, on a dû. Thierry Deleg. 1 175 000. Thank you, sir, and thank you for your. Bravo, bravo. On peut applaudir effectivement. On peut applaudir cette enchère et c'est ce monsieur que nous allons voir. Et que, alors là, Loïc, il va nous donner plusieurs infos en même temps. C'est la 500 000, mais plus tard, il va aller tout de suite aller voir qui a acheté à 1 175 000 euros. Et oui, vous avez bien entendu, 1 175 000 euros, j'en bafouille. Wild Wind. 1 175 000 euros. Thierry Deleg. Ancien directeur de France Gallo, qui travaille désormais pour Cheikh Mohamed Altani, le propriétaire de Flotilla. Ils ont acheté Flotilla, qui a eu la main très très heureuse pour l'instant. A été dominé, a été vaincu par cet homme. Par cet homme, tout de vert vêtu. 50 000 qui m'appelle à 50 000 euros. Le voilà, euros 50, qui m'appelle cet homme qui est à coût de 25 000 euros. Parce qu'à partir de 950 000, je crois, on est passé de 25 000 euros en 25 000 euros. Et c'est finalement cet homme qui a remporté l'enchère. À 80 000, l'enchère à 80. Top price, une des plus hautes enchères de l'histoire des ventes de Deauville, en termes de poulinières évidemment. Enfin, même en termes de chevaux tout court, hein, parce que quand on passe le million, c'est quand même pas si fréquent. 1 175 000.